Il se passe quoi avec Zouglou Makers? Il se passe rien. Il se passe. Il se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la toile fut secouée il y a quelques jours. Donc on veut comprendre. Parce que tu es là sur le plateau, il faut que tu nous expliques. Mais j'ai tout expliqué dans ce texte qui défile derrière toi. J'ai tout expliqué. Je suis tombé sur une situation que je trouvais anormale. Et il y a 2 mois, j'ai essayé de comprendre des choses. Je n'avais pas des réponses. Et je me suis exprimé sur ma page Facebook. Voilà. D'accord. Tu as dit qu'il y a 2 mois, tu as essayé d'avoir des réponses. Tu n'as pas eu de réponse. Tu as essayé comment? Mais en contactant les personnes ressources qui font partie de l'histoire. Zouglou Makers? Zouglou Makers, voilà. D'accord. Et qui dans Zouglou Makers? Qui est concrètement? Willy. Oui. D'accord, ok, ça c'est bien. Tu as appelé Willy, tu n'as pas eu de réponse. Non, j'ai appelé Willy. Willy a appelé Stéphane devant moi, il a appelé Samy, il a appelé les autres. J'ai posé des questions. Et personne ne semblait être au courant de la déclaration qui a été faite que j'ai trouvée sur le site de la SACEM. Donc, évidemment. Quand vous regardez le remplissage du bulletin, mon nom n'y figure pas. Donc, j'ai posé des questions. Si c'est eux qui ont fait ça, ils m'ont dit non. Je dis, bon, qui a fait? Et quand vous regardez sur ce bulletin, il y a un nouveau nom qui apparaît comme auteur. Moi, j'ai bossé sur l'album pendant 6 ans. Cet auteur, ce nouvel auteur, je ne l'ai jamais vu. C'est quel auteur ça? C'est quoi le nom d'auteur? Vous savez tous qui c'est. Donc, j'ai même pas envie de prononcer. Toi, tu sais? Moi, je sais pas. Elle est pas quoi. C'est, si tu veux, il faut mettre ton réalisateur. Nous sommes dans une dépaporisation. Et nous, notre rôle, c'est de déformer. Donc, il y a un intrus que je vois dans la déclaration. Donc, ce monsieur, ma conseillère juridique, lui écrit. Puisque. Il doit être au courant de certaines choses. Donc, ma conseillère juridique lui écrit. Ah, bonjour monsieur, nous vous retrouvons sur une repartition dont normalement mon client est ayant droit. Et nous ne comprenons pas votre présence sur cette déclaration en tant qu'auteur. Mais encore que là, ce n'est pas un problème parce que chaque artiste est libre de faire entrer d'autres personnes dans ces déclarations. Mais tant que cet artiste enlève des points pour donner à Bamba Mamadou, pour qu'il puisse rentrer sur sa fiche, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi le nom de mon client n'apparaît pas sur cette déclaration? Donc, il a répondu carrément qu'allez-y demander aux artistes. Voilà. Est-ce que tu as eu l'idée de l'intrus? Est-ce que tu... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je suis en train de voir un peu. Ça vient petit à petit. Tu n'aurais pas une idée? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, mais... Donc, toi, ton nom, c'est-à-dire qu'au lieu que ton nom soit sur l'affiche, ton nom n'est pas sur l'affiche, puis ce nom de quelqu'un d'autre qui est à ta place. Non, il n'est pas à ma place. Il est dedans. Il est dedans, mais voilà ça ici. D'accord, mais là, ton nom n'est pas. Oui. Non, mon nom n'est pas dedans. Je vois, c'est écrit avant. Voilà le document là. Et un droit à coup gauche. Et oui, vous l'aurez compris, vous voyez, par rapport aux répartitions au niveau de la SACEM, Totorino a été tout simplement éjecté, bien sûr, de l'affiche. Concernant, bien sûr, les Zouglou Makers, et c'est ça qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. Il y a beaucoup de tollé sur la toile par rapport à cette situation. Vous voyez, c'est l'affiche de la SACEM que vous êtes en train de voir là. En tout cas, Totorino ne figure pas sur l'affiche d'Avita et Route, et c'est une autre personne. En tout cas, vraiment, c'est dommage. Quelqu'un qui a boxé sur un album pendant 2 ans et que on le remercie comme ça en monnaie de singe, c'est pas du tout bien. Et c'est pour ça que... Il n'est pas à ma place. Il est dedans. Il est dedans, mais voilà ça ici. D'accord, mais là, ton nom n'est pas... Oui. Non, mon nom n'est pas dedans. Je vois, c'est écrit... voilà le document, là. Et un droit à coup gauche. En tout cas, donnez votre avis par rapport à cette situation. Hein. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. On se dit à tout de suite pour un nouveau flash.